Nous restons en milieu d'Indy comme hier, mais aujourd'hui nous changeons d'acteur. Mm-hmm. Heureuse d'Anandé. Eh oui, à défaut d'avoir Kamilat Mramadou, nous ce avons matin, oui. Ali Ourou Abdounasser. Abdounasser, bonjour. Il vient comme ça, mon frère. C'était mon panégyrique clanique. Non, on en a aucune preuve. Vous nous avez fait des incantations. Tout ça là, vous-même également. Tenez-vous tranquille, vous êtes en sécurité. Non, c'est que si nous, on ne craint rien. Hein. Allez, alors, ce matin, monsieur Abdounasser, vous avez envie de nous parler donc du prénom Bonkan. Bien sûr, Bonkan, c'est un prénom qui se donne à l'enfant de sexe mâle ou féminin dans l'ère culturelle d'Indi. Okay. Oui, mais quelle circonstance fait qu'on doit donner ce nom? Si c'est juste, on peut le donner à une femme ou on peut le donner à un homme, ben voilà, pourquoi? Alors, pourquoi Bonkan spécifiquement? Déjà que circonstance finit par sens, donc c'est le sens de ce nom-là qui détermine l'enfant à qui on l'attribue, pas le sexe de l'enfant, mais la circonstance dans laquelle on l'attribue, ce qu'on entend lui présager pour l'avenir. Ok, et donc, à celui-ci, on présage quoi? Et donc, bon canon, c'est la contraction de bon canon. Bon. 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 Bon, yes. Je vais comprendre le dindi, on est ici au logo. Bon, alors, canon. Vous allez transformer l'émission en séance d'alphabétisation. Alors, bon, c'est la tête. Ok. Canon, c'est l'adjectif délicieux, savoureux. Alors, dans le sens littéraire, c'est ce que cela donnerait. Maintenant, pour passer au sens littéral, on prendrait là le sens de l'aventure, le périple que traverse l'enfant tout au long de sa vie, donc je dirais destinée. Et donc, destinée, c'est pour lui présager une destinée heureuse. Okay. Et bon canon veut simplement dire le chanceux, la chanceuse. Ah. Le chanceux, oui, la chanceuse. Chanceuse. Ou le porteur de chance, la porteuse de chance. C'est-à-dire une personne qui est bien née. Bien née, exact. Tout simplement. Mais quand dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce qui pourrait donc caractériser cet enfant-là? Est-ce que le bonheur suit réellement? Alors, nous avons coutume de dire que le nom qu'on attribue à un enfant détermine sa ligne de vie. Oui. Que si on est habitué à dire à un enfant depuis qu'il est petit, toi là, tu vas aller en prison. Petit bandit, ça le suit parce que psychologiquement, l'enfant, dans son subconscient, il se prépare inconsciemment à recevoir cela. Donc, si on appelle l'enfant généralement porteur de chance, toi partout où tu vas, tu apportes, tu portes la chance, et la chance c'est toi-même. C'est évident que s'il est assez psychologiquement costaud et si le destin l'accompagne, cela se terminera très bien. Et oui, de toutes les façons, Bonkan qui nous écoute ce matin, il doit être heureux. Hein, franchement, moi je souhaite Bonkan à bon tout canon. Le monde. C'est que sur ce plateau, nous sommes des Bonkan. N'est-ce pas? Ah, notre équipe aussi. Je crois que moi je suis même doublement Bonkan. Voilà. Bonkan. Allez, monsieur Ali Ourou Abdounasser, merci d'avoir partagé donc ces connaissances avec nous. On vous retrouve demain matin, d'accord, pour un autre prénom, d'accord, africain, toujours de l'ère culturelle d'Indi.